vu à Aubusson, le meilleur cinéma du monde ici, vous êtes bien. Depuis quelque temps, on était ça ici, une équipe formidable. Bon, je vous présente Simon Holland, le réalisateur, un Écossais, aujourd'hui il n'a pas de jupe. Mais c'est aussi un Périgordin d'adoption. Oui. Moi-même, je m'appelle Ronald Knot, un Néerlandais. On a fait un documentaire qui s'appelle Ordre la nuit. L'histoire d'un commando américain, nom de code Percy Pink, parachuté il y a presque 75 ans, ici, près de Carloin, le 12 août 1944. Depuis quelques années, on a travaillé avec une quarantaine de bénévoles des États-Unis, Angleterre, la Norvège, Luxembourg, le Périgord, bien évidemment. Et puis, avec tous les gens, on a fait ce film. Dans le film, il y a trois éléments importants. C'est le lien qui fait les trois ensembles, cette sorte de mot de clé, interallié. Interallié, ça veut dire la coopération entre la résistance française. Et puis ici, on a un ancien maquilleur ici, M. André Girard. Il faut applaudir, hein. Il dit merci. Merci. Le deuxième élément sont les agents secrets britanniques qui ont organisé tout le parachutage. À peu près 80 dans les régions ici. Et le troisième élément, je me déplace un peu à droite, sont les Américains qui sont venus ici le 12 août pour aider la résistance. 13 parachutistes, 50 conteneurs d'armement. Enfin, ils sont ici venus ensemble pour libérer la France et finalement notre liberté si précieuse aujourd'hui. Bon, je pense pour le moment c'est ça. Je vous souhaite un bon film, 65 minutes d'émotion, 65 minutes de l'histoire. Et puis après, quand vous avez des questions ou des remarques, ils sont les bienvenus. Alors, Michel, on va démarrer.